thirsty, I can't think straight. Oh mon dieu. Et bienvenue, bienvenue. Alors, regardez, on a un beau temps. J'ai rien dit parce que sinon on va avoir un mauvais temps qui va se ramener. Alors, on est prêt pour partir vers le mont Timberwolf. On est déjà plein le foutage de gueule. Je crois qu'on a tout. Est-ce qu'on prend du bois? J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire non parce qu'on est plein. On a 2 kilos. Ok, let's go. On récupérera du bois sur la route. Donc, bienvenue. La dernière fois, nous avions... On a pu un peu progresser, en fait, la dernière fois. Dans la vallée charmante, on est allé donc au site du crash d'avion. On a tout récupéré, hein, il n'y avait pas grand chose. Honnêtement, c'était surtout des vêtements déchirés. Et pas plus que ça. Tiens, on aurait dû prendre peut-être manger un morceau de viande d'un kilo. Là. Donc voilà, mais bon, on l'a fait. On est même allé là-bas. On a ouvert la porte de l'avion là. On a bien visité. Et on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le mont Timberwolf qui est là et après à droite. On est le matin encore, à peu près 9-10 heures du matin. Donc c'est par là-bas. Et on va donc se préparer pour le mont Timberwolf. J'avais encore un arc et des flèches. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc on est à 45 kg, on a genre 2 kg d'eau, on a 3 kg de viande à peu près. Je pense qu'on peut passer sans problème la corde. On va devoir enlever quelques trucs, mais ça devrait pas être trop un problème. Je suis en train de me dire, on a combien de scies? Non, on a les deux. Sur le coup, je pensais qu'on avait laissé une. Alors une petite montée, on va faire attention. Ah, aujourd'hui on est motivé, ok? On est très très motivé. Juste qu'il n'y ait pas de loup en fait de l'autre côté. Lapin. C'est bon à savoir qu'il y a des lapins? C'est bon à savoir. Est-ce qu'on a besoin? Non. On n'a pas besoin. Ok, on a un cerf là, c'est pas mal, pas mal. Donc ça veut dire que pas de loup. Pas de loup, pas de loup. Très très bien. La petite cabane ici, avec strictement rien à l'intérieur. Je dessinerai bien, mais on a froid. Je dessinerai bien, mais on a froid. Alors, il y a un endroit que je voudrais peut-être aller voir aussi. C'est en face, en fait. De la corde pour aller à Timberwolf, il y a des voitures. Mais j'ai un peu peur de me perdre. Bon, après, il fait pas de brouillard, rien, donc on ne voit pas. Je sais pas après si ça vaut vraiment le coup. Cela, vous voyez, là, c'est une route en fait. Bon, il y a des loups. Bah, déjà, on va trouver l'endroit pour aller à Timberwolf, ok? Après, on va voir. Après, on avisera. Ah bah c'est là, c'est bon. C'est juste là. Ah, donc le... Je crois que c'est... après cette petite dune, là. L'endroit avec les voitures. On va déjà se placer là. On va poser des objets et tout ça, parce qu'on est plein. Ah, on a froid aussi. Ah, mais c'est la corde qu'il faut prendre pour aller à Timberwolf. Bon, bah c'est bon, c'est bien. C'est bien.
Alors. Très bien, très bien. Qui se lève. Yes. Ah ok, parfait. Là on est à l'abri. Là on est à l'abri. Ok, donc on va laisser le bois ici. Est-ce qu'on le laisse, le bois à l'extérieur ou à l'intérieur? Le mieux ce serait de laisser le bois à l'extérieur, parce qu'ici on peut pas faire de feu. Désolé. On ressort. On va juste laisser le bois à l'extérieur. Oh, on a vu le loup. On a bien vu le loup. Donc on pourrait même rester un petit moment ici, genre une journée de plus. Chasser le loup. Après il faut récupérer un peu de bois, mais on est bon. Ouais non, on pourrait, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va voir ce qu'on peut récupérer ici. On a plein de bois aussi, des caisses à détruire si on veut. Donc c'est pratique. Allez, croisons un peu les doigts pour trouver des trucs intéressants. Ça commence déjà très très mal. On perd pas la motivation. On perd pas la motivation. Y a pas, y a rien en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas des hameçons? Non. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose. Alors est-ce qu'on va vers les voitures ou pas? Les voitures que je parlais. Parce qu'il faut passer le loup du coup. Il faut absolument passer le loup si on veut vraiment y aller. J'ai envie de dire, on peut camper ici jusqu'à ce que le temps soit bon, mais le problème c'est que ça peut durer du coup 2-3 jours en fait. Donc, je sais pas trop. Donc je sais pas trop si ça vaut le coup. Bon après elle est pas au max. Elle est un peu fatiguée. Il y a les livres, on va les laisser. D'accord, c'est pas ça que je voulais faire. Alors ce qu'on va faire, on va faire un camp ici, parce que ici ça va être un peu le camp où on laisse les objets pour le moment, pour qu'on soit un peu plus léger. Soit un peu plus léger parce qu'on a des cordes à prendre. On a beaucoup de choses en fait. On a pas mal de cordes à prendre même dans... C'est 0,5, ça vaut pas le coup. Même... dans le mont Timberwolf. Ça, on jette. J'ai honnêtement envie de jeter celui-là aussi, parce que ça fait 1 kilo à chaque fois. C'est bien ça, c'est 1 kilo. Hein. Ouais. Parce que ça nous permet quoi? De faire 2 kilos d'eau. Mais bon, si on garde la petite, c'est très bien aussi.
C'est très bien aussi. Ça, on va aussi le laisser. Déjà, on va mettre les choses qu'on prendra après. Très bien. L'arme du charbon. 5. Voilà. Déjà, on est mieux là. Alors qu'on a encore toute la viande et tout. Enfin, quoique. Oui, non, j'ai rien dit. C'est déjà un peu mieux. je serais... Ouais, non, je serais pour... pour aller voir quand même. J'ai peut-être même envie de faire le loup. Histoire d'avoir de la nourriture de côté. Peut-être envie. On va voir. On va voir comment ça se passe à l'extérieur. Que s'il fait beau. Ouais, non, on va chasser le cerf ou le loup. Ah, on pourrait aller chasser le cerf. Le cerf, ça serait beaucoup mieux. On aurait des steaks d'un kilo. Ah oui, 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 oui. Beaucoup mieux. Ça doit être là-bas, les voitures. Ouais, non, non, beaucoup mieux de prendre prendre le cerf. Parce que le loup, c'est bien, d'accord, mais ça nous fait pas 1000 calories pour un kilo. Alors là, ça nous fera 1000 calories pour un kilo. Donc ça vaut vraiment le coup. Par contre, il fait froid, c'est un problème. Ah, mon dieu, il va de l'autre côté. Ça va être un problème pour récupérer la viande. Ouais, non, on va camper ici et on va peut-être pas partir au Mont Timberwolf maintenant. Peut-être dans le prochain épisode. Histoire de vraiment se préparer, parce que je veux pas me louper non plus. Où est-ce qu'il est, ce coup? Je vois ses pas. Ok, il est là. Dans l'œil. Très bien. C'est fait. On va rentrer, on va se réchauffer. On va déposer la viande juste à l'extérieur, là où il y a les feux. On va rentrer se réchauffer un peu. Je sais pas ce qu'on peut faire pour se réchauffer. Ah, peut-être casser les caisses. Et après, on va aller voir les voitures d'abord, parce que j'ai pas... Merde. Passer par là.
Après on va aller les voitures, parce qu'il commence à faire pas trop trop bon. Et du coup on va pas déposer la viande maintenant, sinon il va nous la bouffer. Ok, on rentre. Donc ouais, on va pas... je voudrais aller voir les voitures maintenant parce que j'ai peur qu'il fasse froid en fait. J'ai peur qu'il fasse genre brouillard et tout ça. Enfin, blizzard, pardon. Blizzard et tout. Donc je voudrais d'abord aller voir vite fait les voitures et tout ça. Puis après on ira pour le reste. Pour le reste de la viande. On peut détruire ça. Ok, le vent s'est calmé, c'est parfait. Enfin, je crois. Ok, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Ok, si l'autre coin est toujours là... On se le fait. En plus, il n'y a pas beaucoup de vent. C'est parfait. C'est pas froid. Ok. On va d'abord aller voir... les voitures. Fait froid quand même. Hein. Je voudrais bien dessiner un peu l'endroit, mais ils sont devant les corbeaux. Un cerf devant. Ah, point de vue nourriture, on est bien là. Très très bien. Lieu de conflit. J'ai vu quelque chose par terre, je sais pas ce que c'est. C'était rien. Il faut se bouger un peu les fesses. Même à la limite, j'ai envie de chasser celui-là. Si on est juste à côté. Mais je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça bien? Bah, s'il s'approche, on le fait. De toute façon, on va faire du feu. Très bien. Parce que du coup, j'ai pas vraiment envie de retourner vers le loup. Donc, autant faire celui-là. Non. Autant faire celui-là, parce que sinon il faut repartir là-bas. Sur l'autre, il y a encore quoi? Il y a encore 6, je crois, 6 kilos de viande. Il y a une maison là-bas aussi. Allez, allez, allez. Soon.
On est bon. Allez. J'ai envie d'aller voir là-bas. Ah, on perd de la vie, mais bon, il va falloir qu'on récupère tout ça en dormant, en mangeant, en buvant et tout ça. Faut qu'on soit prêt pour partir au Mount Timberwolf. Il y a ce con de l'eau qui va nous flairer de loin, je pense. Passer par là. On va rester en hauteur. On l'entend gueuler, il doit être juste là. Ouais, il va falloir qu'on se le fasse, lui il est très très mal placé. Il est très mal placé, surtout qu'à chaque fois il doit nous sentir. Ah, il est là, non? C'est lui là. Il n'y a pas que lui, il y en a deux. Ok, lui il a eu peur. Oh la chance. La chance que lui ait eu peur. Ouais, il va falloir faire le ménage là avec ses cons de loup. De toute façon, on va pas pouvoir prendre 30 kilos de viande sur nous non plus. Hein. Donc, pas besoin d'en prendre 3000, mais là, pour les loups, il faut les virer. Hein. Quoique, à la limite, on est bien, là. J'ai envie de dire que peut-être on n'a pas besoin de les combattre, parce qu'on a assez de viande pour rester un jour, et puis de toute façon, on va pas prendre, comme j'ai dit, 30 kilos de viande sur nous, parce qu'on a une corde à prendre. Ouais, on a une corde, donc enfin, c'est vite réglé, hein. On va pas prendre tout ça. Hein. Donc à la limite... Qu'est-ce qu'on fait? À la limite, ça on va le garder de côté, ça c'est bien parce que ça c'est très léger. On va sortir, on va voir un peu. 2, 3, 4, 5. On va prendre ça pour l'eau. Ça c'est pour manger. On a assez de bois, je sais pas si on a assez de bois, je vais prendre ça en plus. Okay. Ok, c'est parti, on va faire de la cuisine, on va manger. Plus l'air d'être là. Ok. Donc on va cuire toute notre viande, on va faire une réserve d'eau aussi. Je crois. Après, si les loups arrivent... J'aimerais bien récupérer plus de viande, mais bon... On verra ça. Okay, 4 heures de feu. Non, ça c'est cuit. Ça c'est cru.
À la limite. À la limite, on peut aller récupérer. Plus de steak de serre. Ouais, mais ça a l'air d'être loin quand même. Surtout qu'avec le vent maintenant. Bien ce que je pensais. C'est bien, j'entendais des pas. J'entendais bien des pas. Un truc aussi, ça c'est un problème qu'il faut qu'ils corrigent, mais ils le corrigeront jamais, c'est quand on marche, le bruitage en fait, oh, arrête de parler, le bruitage avec le sac à dos et tout ça, il continue une fois qu'on s'est arrêté, genre, je sais pas si je peux le refaire là. Genre des fois il s'arrête pas directement en fait. Vous voyez, là. C'est parce que c'est une sorte de loupe en fait quand elle marche, le son, le bruitage, c'est une loupe hein quoi. Ah, le son qui se joue encore et encore en fait. Et ils l'ont très mal fait parce que la loupe est trop grande, donc si on fait quelques petits pas, la loupe va se jouer, enfin le cercle, la loupe c'est un cercle en fait. Ce cercle de son, ce de bruitage va continuer à se jouer en fait jusqu'à ce qu'il se finisse. Et ça c'est un problème parce que là j'ai quasiment pas entendu en fait le loup au moment où je devais, parce que je l'ai entendu avant pendant que je marchais, mais c'est vrai qu'à un moment je me suis, enfin mais au moment en fait que je me suis arrêté, on entendait encore le bruitage du sac à dos et ça camouflait un peu les pas du loup, et ça c'est un problème aussi, ça c'est un autre problème qu'il faudrait complètement enfin fixer quoi. Ah mais bon, comme ça. On en a deux. On peut les mettre directement. Non, on peut pas les mettre directement dedans. Okay. J'aime pas faire comme ça, mais. Hop. Hop. On est réchauffé. Ça va. Petit peu trop. On pourrait dormir à l'extérieur aussi. On pourrait mettre le sac de couchage ici. Et dormir à côté du feu. Mais honnêtement, c'est pas vraiment... pas vraiment très intéressant de faire ça. C'est dangereux. Même pas. Ouh la vache, qu'est-ce que ça fait? J'aime pas faire cuire les choses comme ça. Mais bon, ça va un peu plus vite et il y a moins de chances que ça brûle aussi. Enfin, vous savez, ça reste plus longtemps dans le... le temps pour brûler, ça reste plus longtemps. Ils sont tous 1000, hein, j'en ai pas touché, on est d'accord. Okay. Et après il reste plus que celui-là. Là c'est 35 minutes.
très bien. Donc on n'a pas besoin d'aller récupérer... c'est un peu du gâchis, j'ai envie de dire, mais on n'a pas besoin de récupérer les serres. À la limite, s'il faisait beau temps, pas froid et tout ça, je serais allé récupérer les pots, par contre. Comme ça, on aurait pu utiliser les pots pour réparer nos vêtements au retour. Mais bon, c'est comme ça. On va pas y aller parce qu'il fait très froid. Ouais, il fait pas super froid, mais il fait froid. Bien, après on va faire de l'eau et après on dormira. Je pense que cet épisode va être court, honnêtement, parce que j'ai envie de faire un épisode où on part en fait à Timberwolf. J'ai pas envie de le couper, enfin je sais pas encore, on verra comment ça se passe. J'ai vraiment envie de commencer l'épisode par l'aventure Timberwolf en fait. Donc on va voir. On va faire de l'eau. On va faire pas mal d'eau le temps que on finisse le bois. Ce sera pour. Alors celui-là. Le temps qu'on finisse le bois, enfin le feu, je veux dire. Mais ce sera en une réserve d'eau en fait. Voir sur la carte. Et on varie un peu. On fait des carrés maintenant. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On fait des carrés maintenant. Ça, donc, comme j'ai dit, on le garde parce que c'est 0,10 et c'est 550. 600, pardon. Ouais, 600 de calories, c'est pas mal. Pour 0,20. On va les garder, ça on garde. Le charbon est presque vide. Je suis en train de regarder pour un peu faire le tri de ce qu'on prend avec nous. Je vais poser des objets vite fait. Par contre, quand on rentre à l'intérieur de ça, là, je crois qu'il va déjà faire nuit noire, non? Un peu nuit noire. De toute façon, je vais juste aller là. On va faire ça. Cuir, tissu. 9. On va garder 10 sur nous, on a encore du bois. Charbon. On va prendre ce qu'on doit prendre. Comme ça, je vois un peu le poids déjà. Comme ça, je serai pour le poids. On est à 37, c'est très bien. Ouais, je pense qu'on est très très bon là niveau poids. On a très bien géré la chose. Après, qu'est-ce qu'il y a là? Ça, on prend pas. Ça, on prend pas. Les livres non plus. Et après les faitous, on les laisse. On va pas les prendre. On a la... Si on veut faire de l'eau ou cuire quelque chose qui est liquide, on a la... on a la petite canette là. Quoi? Froid?
Gibier cuit, froid, cru, quoi? C'est bizarre, hein. Pourquoi il y a écrit froid? C'est comme, en fait, il le gère comme si c'était un truc liquide, genre un thé ou un truc comme ça. C'est bizarre. Oh là là. J'ai l'impression de... Ouais. J'ai l'impression de voir de plus en plus de problèmes, en fait, dans le jeu. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui devait exister avant, mais je l'ai jamais vraiment fait gaffe, parce que je cuis jamais vraiment la nourriture comme ça. Mais c'est triste, en fait. Voilà. Ah, c'est pour ça que je voulais faire le loup en premier. Voilà, très bien. Et là, on a 3, 4, 5, 6. On a 6. 6 fois 1000. C'est très très bon. Pour l'eau, là, on est en train de faire 4 litres. On va être à 38 kilos. On peut même prendre... On va prendre quoi? On va prendre un tout petit peu d'eau sur nous. Parce que l'eau, c'est facile à faire. Donc, c'est pas le plus important. Mais comme j'ai dit, on a les thés si jamais on veut faire de l'eau. Par contre, j'ai envie d'en laisser aussi des thés. Ah oui, peut-être. Peut-être en laisser un peu. Ça, on en a un peu trop. Et si jamais c'est un peu la caverne d'Ali Baba là-haut, et qu'on tombe sur beaucoup de choses, Timberwolf, c'est pas la chose où on y va tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je voudrais vraiment le prendre le plus possible quand on sort, quoi, quand on part, quand on redescend. Donc si on peut laisser des choses le plus possible. J'ai envie de dire 4. On en garde 1. On peut faire une troisième tisane à la limite. Enfin, cette tisane, c'est vraiment pour se remettre de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une troisième ou pas? Non. On va faire ça. Par contre, on va en faire une quatrième avec ça. Là, on en a 3, 5. Et on en a 10 de secours de côté. On a un stimulant d'urgence si on a un problème. Même les allumettes, honnêtement, j'ai envie de les déposer. J'ai envie d'en déposer une partie. Ça, j'ai pris le journal parce que je pensais qu'on allait pouvoir l'utiliser en fait pour faire le feu, pour aller plus vite. Mais le journal, c'est pas fait pour ça. Le journal, c'est pas fait pour ça. Très bien. Ouais, on est très bon. On est très très bon là. On va faire un thé en plus de Sino. Un thé de Sino en plus. Donc ça nous fera 4 et 5. Et après les 2, ça c'est vraiment secours si on a vraiment besoin de se remettre de la vie, ok? Donc on les touchera pas. mais on s'est... Voilà, on a encore gagné 1 kilo à peu près. On a encore gagné 1 kilo. Donc ça c'est bien. Les vêtements, ils sont en très bon état. On est nickel. Comme j'ai dit, on va pouvoir prendre de la viande et un peu d'eau. Pas beaucoup d'eau, mais un peu d'eau. Vraiment top. Et là, sur nous, on a tout, en fait. On a le sac de couchage, on a le métal, on a la boîte à outils. Donc, on a tout, en fait. On est tout préparé, on est tout bon. Donc, ça va. Donc, ça va. Par contre, c'est 40 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 40 minutes? On pourrait lire. Raccommoder quelque chose. Faudra reprendre un tissu.
Sino. Ok. Très bien. Très bien. Ok, je suis très content. Mais ouais, on va pas... On va pas faire notre... notre ascension maintenant. On le fera à la prochain épisode. Cet épisode va être plus court que d'habitude. Normalement, je fais toujours à peu près une heure. Mais là, ça va faire peut-être 40 minutes. Mais ouais, c'est mieux. C'est mieux comme ça, honnêtement. Pourquoi ça dit froid? Non, mais ça le fait pas tout le temps, en fait. C'est bizarre. Il y a vraiment un truc buggé. Celui-là, on vient de le faire, c'est chaud. Il y avait écrit froid encore. Je crois que c'est les fétous, en fait, qui sont buggés. Non? Ou alors c'est moi qui l'ai jamais fait... J'ai jamais fait attention. C'est bizarre. Est-ce qu'on va dormir maintenant? Je crois qu'on va aller dormir maintenant. Neige fondue, il y a trop de feu. À chaque fois, je vais me louper encore avec le timing. Fondu dans 20 minutes, après c'est quoi? C'est 40 minutes encore? 4, 5, 6, ça fait 1 heure. 1 heure 12, je pense que c'est bon. Celui-là, peut-être il va pas le finir. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. On va juste détruire les torches parce que ça prend de la... Ça fait du poids. Après, on va déposer le bois par terre. Et on est parti. Ça, on va la garder à la main pour nous illuminer. La viande, ça, on mangera tout ça quand on partira. Comme ça, on sera à 100%. L'eau, ça suffira. On déposera l'eau de toute façon. On a très bien, on va prendre 1, 2, 2 ou 3, 2 ça suffira, 2 ça suffira, nous on a ça, quoique on va en manger un à moitié et on le déposera après devant la corde, donc on va faire ça, et on est bon, on va dormir. Et on est prêt. Bon bah voilà, ça s'est bien passé. On a fait pas mal de choses. On a récupéré les voitures. Bon, il y avait rien du tout dedans, mais... on a fait ça, on a récupéré énormément de viande. On a encore 2 cerfs qui ont encore de la viande. On a eu le loup là. On a encore un loup qui traîne. On va se mettre là. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre? Ah oui, j'avais dit qu'on prenait un tissu en plus. Comme ça, on en a 10. J'ai pas de plume hein, en plus. Ah, j'ai pas déposé de bois. Merde. Ah, excusez-moi. On va déposer le bois là, parce que si je mets deux endroits avec du bois et tout ça, ça va être embêtant parce que je vais pas y penser. On va le perdre et tout. On va mettre tout au même endroit, c'est important. Du coup, on va être encore un peu plus léger que ce que je pensais. Quand on arrivera au Mont Timberwolf, on aura un endroit où on peut s'abriter et en théorie on devrait pouvoir trouver facilement tout ce qui est bois et tout pour faire du feu
Ah, donc ça devrait passer. Parce que là, on va monter, on n'aura pas de bois. On n'aura pas du tout de bois pour faire du feu. Donc c'est dangereux, c'est très dangereux, mais en théorie, ça devrait bien se passer. Ah, très bien. On va faire ça. Bon bah du coup on est bon, hein. Du coup on est très bon. Qu'est-ce que je vais vous dire? On a le sac, on a ça. On est à 42 kilos, c'est très 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 bon parce qu'on a 3 morceaux de viande en plus. Avec de l'eau, avec beaucoup d'eau. Donc on peut passer. Ouais, on est bon. Donc celui-là, on le finira quand on se réveillera et on en entamera un de 1000 kilos, là, enfin de 1 kilo, pardon, et de 1000 calories. Et celui qu'on entamera, on le laissera à la corde, vous savez, on fait souvent comme ça. Qu'on soit vraiment à 100% partout, puis après on prend la corde et puis on part. Voilà, ça sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et le prochain, ça va être l'aventure folle. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.